on va faire le tube arrière. Vous allez progresser et votre éclaireur jaune va désigner un point de ralliement. Je vous conseille d'en mettre un tous les 150 mètres. Parce que s'il faut tailler la route, vous n'allez pas faire cavaler les mecs 500 mètres en faisant un tube. C'est pas possible. Par contre, le chef de brique, il a l'initiative du point de ralliement. S'il a été désigné un point de ralliement à 20 mètres de la rencontre avec l'ennemi et qu'il déclenche un tube arrière, ça ne va pas aller. Alors, c'est le chef de groupe, c'est le vert, qui pendant un tube arrière ou un autre tube, décide de rallier son groupe. C'est-à-dire qu'il arrête, il s'arrête à un endroit. Quand le premier équipier il arrive, il l'arrête et il le pose. Donc là, on va voir l'essaim. L'essaim, c'est un moyen donc de s'arrêter, d'avoir une vision à 360 degrés du champ de bataille et que chacun observe devant lui. L'essaim, ça peut être fait de différentes manières. Vous allez tous vous retrouver à 360 degrés. Ça peut être couché avec les pieds qui rentrent en contact pour se faire des signes si on voit quelque chose. Ça peut être à maximum 2-3 mètres d'intervalle si le terrain le permet, observer devant. Et ça peut être de nuit, je l'ai vécu, tous à cheville, dos à dos. Et ça, c'est très efficace aussi. Et on surveille devant soi. Alors, le 360 ou l'essaim, tout à l'heure, vous allez faire une application. Ne vous regroupez pas au milieu du chemin. Et là, vous allez vous planquer. Vous organisez votre 360 avec un espacement de 2-3 mètres maximum pour être regroupé. Mais on ne doit plus vous voir. On se fait oublier et on réfléchit. On regarde sa carte. On peut décider de se reposer la nuit. On se met tous dos à dos avec les sacs à dos. Et puis, bah, on essaye de ne pas ronfler trop fort. Ou on se repose, on fait un petit repos. Ou on bouffe devant soi. Hein? On s'arrête 360. Pour moi, c'est obligé. Alors, après, la formation générale, ça va repartir en colonne. Jaune va partir, vert va partir, rouge va partir et bleu va suivre. Cette vidéo trouvée sur Internet permet d'illustrer parfaitement ce que l'on vient de voir. Le groupe de combat progresse en colonne. L'éclaireur est pris à partie et annonce « contact avant », tout en ripostant. La présence ennemie est trop importante, le chef de groupe ordonne « tube arrière, tube arrière ». Le feu sur l'ennemi est constant et continu pendant que les opérateurs se replient à tour de rôle en décrochant chacun leur tour toutes les 5 secondes. Les opérateurs se regroupent en 360 au niveau du point de repli. Le chef de groupe contrôle que les opérateurs prennent bien tous les angles.